Omaner, c'est le grand vainqueur de cette première étape de la Route des Princes entre l'Espagne et le Portugal. Donc tout l'équipage d'Omaner, Missandam, est très content. Ça a été notre étape, donc que nous réserve l'avenir, j'en sais rien, mais nous, on aimerait pouvoir enfoncer le clou à chaque fois un peu plus profond, ça c'est sûr. Après 3 jours de mer, moins d'une heure sépare les deux premiers trimarans de la classe 70 pieds. Il y a un beau vainqueur qui nous a mis une belle déculottée dès le début, dès la première marque. Mais après, c'est vrai qu'on a bien navigué, donc on n'est pas déçu de finir deuxième. Sur la ligne d'arrivée, le Maxi 80 Prince de Bretagne, en catégorie ultime, s'est intercalé entre ces deux bateaux. On commence à trouver le mode d'emploi du bateau et on sent qu'on joue avec eux, voire même de temps en temps un peu mieux qu'eux. Donc très content. Ouais. Ça a été très sympa, très compliqué, mais très sympa. Prochaine étape de ce Tour d'Europe à la voile entre le Portugal et l'Irlande.